10LS, série 33. Question 1. Donc ici, des priorités de calcul, crochet, parenthèse. Donc on va commencer par ce qu'il y a le plus à l'intérieur. Ça nous donne 12 multiplié par, alors on va garder les crochets, 36 moins 18, ça fait 18, puisqu'en fait 18 c'est la moitié. On a le divisé par 2. Voilà. Après, priorité au crochet, qu'on aurait pu remplacer par des parenthèses, puisque du coup, on n'a plus qu'une seule couche, donc ça nous fait 12 fois, alors 18 sur 2, ça fait 9, et 12 multiplié par 9, 108. Question 2. 4 puissance 3 fois 4 puissance 2 fois 4 puissance 0 égale 4 puissance quoi? Là, on a une multiplication de puissance de base 4, donc la règle de calcul ici, c'est qu'on additionne les exposants, donc 3 plus 2 plus 0 égale 5, donc 4 puissance 5. Question 3. Construit la médiatrice F de AB, la bisectrice G de l'angle ABC et la médiane H passant par C. Alors, la médiatrice de AB, c'est quoi? C'est la droite qui passe par le milieu de AB et qui forme un angle droit avec AB. Alors, ici, comme on a un quadrillage, ça nous facilite la tâche puisque du coup, notre médiatrice, elle va être ici. Donc ça passe bien par le milieu, ça forme un angle droit puisqu'on a le carreau. Et donc c'est bon. La bisectrice G de l'angle ABC. Alors l'angle ABC est ici. Et donc la bisectrice, c'est quoi? C'est la droite qui coupe cet angle en deux angles égaux. Alors ça tombe bien puisque l'angle ABC, d'après le quadrillage, est un angle droit. Si on coupe en deux angles égaux, ça nous fait deux angles de 45 degrés. C'est ce qu'on obtient en faisant la diagonale d'un carreau et d'un carré. Et donc, ici, hop, je n'ai qu'à partir à 45 degrés et j'ai ma bisectrice G. Et enfin, petit c, la médiane H passant par C. Une médiane dans un triangle, c'est une droite issue d'un sommet et qui coupe le côté opposé en son milieu. Donc ici, le sommet, c'est le sommet C. Et donc le milieu du côté opposé sera donc le milieu du côté AB. Eh bien, on n'a plus qu'à rejoindre ces deux endroits-là. Et voilà. Maintenant, j'ai ma médiane H qui passe par C. Question 4. Classe dans l'ordre croissant. 10 puissance 2, 10 puissance moins 2, 10 puissance 0, 10 puissance moins 3, 0,01 et puis moins 1. Alors, déjà, toutes ces puissances de 10, malgré qu'il y ait des exposants négatifs, restent des nombres positifs. Le 0,01 est positif, donc le plus petit d'entre eux, ça sera forcément le seul négatif de la liste, moins 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir de plus petit? Ça va être 10 puissance moins 3, puisque ça correspond à 1 sur 1000. Juste après, on va avoir 10 puissance moins 2, ça correspond à 1 sur 100, mais ça correspond aussi justement à 0,01, donc ex aequo pour ces deux-là. J'en profite pour tracer ma liste au fur et à mesure, je suis quitte de faire des oublis. Ensuite, on va avoir, ben en fait, ça va être une fois qu'on est que dans des puissances de 10, puisqu'on a éliminé les deux en écriture décimale, ça va être dans l'ordre croissant des exposants, en tenant compte du signe aussi. Donc le suivant, ça va être 10 puissance 0, qui est équivalent à 1. Et puis, pour finir, 10 puissance 2, équivalent à 100. Voilà. Et le fait de tracer la liste au fur et à mesure, ça nous permet de ne pas en oublier ou de ne pas en employer plusieurs fois. Question 5. Moins 800 divisé par moins 50 divisé par moins 4. Alors là, on a une succession de divisions. Dans ce cas-là, à faire de gauche à droite, sous peine de risquer de changer le résultat. On a trois nombres négatifs dans cette division. 3 est un nombre impair, donc le résultat sera négatif. C'est la première chose à écrire, le signe du résultat. Ensuite, une fois qu'on sait que c'est négatif, on peut se consacrer aux valeurs absolues. 800 divisé par 50. Et ensuite, le résultat sera divisé par 4. Alors, 800 divisé par 50, ça fait 16.
qu'on divise par 4. Alors là, si je fais une étape intermédiaire, je remets quand même le signe. Et du coup, 16 divisé par 4, ça vaut 4, donc moins 4.